C'est à 20h pile, ce vendredi 14 mars 2014, que le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé au Sofitel, Hôtel Ivoire, Abidjan, pour ce dîner gala de la charité, le deuxième du genre organisé par Children of Africa, dirigé par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Le chef de l'État a été accueilli par son épouse, arrivée quelques minutes avant, avec plusieurs autres personnalités, notamment le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori Soro, le premier ministre Daniel Kablan-Duncan et quelques membres du gouvernement. Au regard de l'enjeu, le président de la République, en dépit de sa convalescence, a tenu à être là pour un moment, ne serait-ce que pour saluer toutes les célébrités qui se sont déplacées pour associer leur image à cette cérémonie. Célébrités au nombre desquelles l'épouse de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, roi du Maroc, Son Altesse royale, la princesse Lala Salma, comme invitée d'honneur. Emboîtant le pas à son époux, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a exprimé sa gratitude à tous ceux qui, de loin ou de près, n'ont de cesse d'apporter leur contribution à la réalisation de son projet, l'hôpital mère-enfant de Bingerville en l'occurrence. Grâce à vos dons, nous avons pu réunir les 6 milliards 150 millions de francs CFA nécessaires à la construction et je vous en remercie. Très, très sincèrement. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'hôpital est en cours de réalisation et les travaux avancent à grands pas. Nous en sommes au stade de l'équipement que nous souhaitons ultra performant afin d'assurer les meilleurs soins à nos femmes et nos enfants. Pour ce faire, il nous faudra encore réunir la somme de 3 milliards de francs CFA. L'objectif de ce deuxième gala étant donc de réunir 3 milliards de francs CFA, on a, séance tenante, effectué entre autres procédés des ventes aux enchères, à l'exemple d'un tableau qui a permis de réunir sur place 120 millions de francs CFA. Ce gala, avec pour thème le grand cabaret du cœur, a été aussi l'occasion pour certaines personnes de gagner des lots, plusieurs lots. Et sur tous les visages, autour des tables bien garnies, la joie aussi au rendez-vous. Le moins que l'on puisse dire, la fête a été totale. Et surtout avec le groupe Kassav, cette fête s'est poursuivie au-delà de minuit.